L'e-sport, c'est la pratique du jeu vidéo compétitif. C'est-à-dire utiliser le jeu vidéo pour faire se rencontrer deux joueurs ou deux équipes de joueurs. Et cette pratique-là, au même titre que le sport, aujourd'hui, permet de développer des clubs, des événements, des tournois. Comme pour le sport, on retrouve même dans l'éducation des activités e-sportives qui permettent de développer des qualités, par exemple le jeu en équipe, la concentration, etc. Effectivement, pendant plusieurs années, lorsque les médias comme vous veniez nous voir sur nos événements, c'était toujours la question de l'addiction, de la violence dans les jeux vidéo, etc. Aujourd'hui, non, je pense que tout ça est révolu. On se rend bien compte quand on vient sur un événement comme la Gamers Assembly que c'est un événement fédérateur et que l'e-sport permet réellement de créer des liens entre les personnes. Je crois que maintenant, tout le monde a bien compris que le jeu vidéo et l'e-sport, c'est une opportunité plutôt pour les jeunes. Ça permet de toucher de plus en plus de public. Même les parents commencent maintenant à accompagner leurs enfants sur ce chemin. À nous maintenant de peut-être mieux coordonner ça, et France e-sport a vraiment une mission de poser les bases finalement de ce que pourrait être une sorte de fédération comme dans le sport, pour éviter toutes les dérives qu'on peut parfois imaginer autour des écrans.